pursue. This is my day of victory. For everything you've done for me, I gotta stand and testify. Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue à tous les passionnés de couture. Je m'appelle Annaëlle Daphné, voilà, je me présente rapidement comme j'ai l'habitude. Je suis Annaëlle Daphné, je suis couturière, donc c'est un plaisir pour moi de partager mes connaissances, un plaisir pour moi de partager mon savoir au travers de cette chaîne où la couture ne sera plus un secret pour toi. Pour aujourd'hui, nous allons confesser, nous allons faire le tracé de cette robe, voilà. Je me suis inspirée sur un modèle que j'ai vu sur dans un magasin de prêt-à-porter, voilà, j'ai juste modifié et apporté ma touche personnelle, comme par exemple les plis creux au niveau du dos et aussi ce jeu qui est très joli. Mais je voulais rappeler aussi à toutes les débutantes, à toutes celles-là qui, pour la première fois, commencent dans la couture et en fait sont un peu frustrées parce qu'elles n'atteignent, elles n'ont pas encore atteint le niveau qu'elles aimeraient atteindre. C'est vrai que sur cette chaîne, vraiment, il y a des tutos qui sont un peu pour des personnes un peu plus avancées. Mais je crois que par la grâce de Dieu, tu y arriveras. Je crois qu'avec un peu de motivation, tu arriveras à atteindre le niveau que tu aimerais avoir. Donc reste motivé et entraîne-toi avec les différentes vidéos. Voilà, ça va te permettre de grandir, de gagner en confiance et de pouvoir aussi toi aussi coudre les vêtements de tes proches aussi, parce que la couture, ce n'est pas seulement pour nous, mais c'est pour notre entourage, c'est pour des personnes qui nous entoure, c'est pour des personnes que nous aimons. Donc, je ne vais pas tarder longtemps, je vais vous laisser la vidéo et en bas d'infos, tout ce qu'il fallait par rapport à cette vidéo. Donc, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Restez bénis. Ciao! Donc, après avoir calculé toutes les mesures dont j'aurai besoin, et là je vais commencer par former mon encolure. Donc je suis descendue de 9 et puis j'ai ouvert de 7 cm. Après que j'ai fini de former mon encolure, je vais pointer mes différentes longueurs, ma longueur taille devant, ma poitrine et mon dessous-sein. Ce que je vais faire maintenant, c'est de pouvoir les nommer. Là, ce serait plus facile de travailler en sachant sur quelle ligne on est en train de travailler. Donc, une fois que j'ai fini de faire ça, je vais venir pointer, fermer ma ligne de mon écart poitrine qui est divisée par 2. Je vais venir la pointer et tracer une ligne droite pour relier tous les différents indicatifs des différents points que j'ai fait. Maintenant, je vais positionner, voilà, descendre mon encolure, mon emmanchure. Je vais baisser ma ligne d'épaule de 3 cm sur la ligne de ma carrue que j'ai positionnée par l'avant. J'ai oublié de le faire passer sur la vidéo. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va descendre de son encolure, de son emmanchure. Je vais descendre de mon emmanchure de 22. Et après, je vais décaler de 2 cm pour pouvoir démarquer la grande carrue et la petite carrue pour former un bel emmanchure. Donc, quand je vais finir de former mon emmanchure, je vais venir pointer ma poitrine. Je vais venir pointer ma poitrine. Après que j'ai fini de pointer ma poitrine, je vais venir former ma pince au niveau de mon dessous-sein. Donc, l'écart de ma pince que je vais avoir ici, ce sera une pince de 2,5 cm de chaque côté.
ce qui va me faire 5 cm au niveau de la pince parce que je veux que le torse ressorte aussi très bien. Et le bas, je vais décaler de 2 cm. Donc pour former ma pince aussi, je vais décaler de 1 cm sur la longueur de ma poitrine pour éviter le côté qui pointe, qui n'est pas très joli. Ma pince est formée. Maintenant, je vais venir mesurer la valeur qui reste là, cet espace-là. Je vais mesurer ça. Et la valeur que je vais trouver, voilà, c'est 8 cm. Je vais venir positionner les 8 cm sur le deuxième niveau, la deuxième partie de la pince vers l'extérieur. C'est comme ça que je mesure. Ça, c'est très facile. Donc, je prends la valeur que j'ai trouvée là-bas. Je viens la positionner sur la fin de la deuxième pince et je positionne mon tour de dessous 5 que j'ai divisé par 4. Donc là, on a chassé la pince et je fais pareil aussi avec la taille. Maintenant, je vais venir. Après avoir formé, positionné la ligne de ma hauteur, la hauteur de mon bassin, je suis descendue de 5 cm et j'ai pointé mon bassin. Donc, la ligne de mon bassin, je suis descendue avec ça jusqu'à la longueur de ma jupe. Jusqu'au bas de la robe. Il faudrait rappeler ici que la longueur que j'ai prise, ce n'est pas une longueur totale parce que il y aura la pince poitrine, donc la longueur va diminuer. Donc là, maintenant, je vais former la ligne de mon bassin, former cette courbe. Je vais cintrer aussi le bas de la robe. J'ai décalé de 3 cm. Je vais tracer une ligne qui va venir tomber sur les 5 cm, sur la deuxième ligne du bassin. C'est pour éviter que le bassin puisse. C'est pour éviter d'écorcher, de diminuer le bassin. Donc là, je vais tracer une ligne. Je me suis arrêtée à 3 cm. Ici, maintenant, je vais décaler de demi-centimètre. Parce que je ne voudrais pas que ma jupe puisse m'empêcher de marcher. Bien sûr qu'il y aura le pli creux derrière, mais je fais ce petit jeu-ci, c'est très important et ça t'empêche. En fait, ça joue un rôle. Ça t'empêche d'avoir des désagréments lorsque tu vas marcher. Maintenant, je vais venir pointer la poitrine, la pince poitrine. Donc là, je suis descendue de 5 cm, de 6 cm, partant de la ligne d'épaule, la ligne de la manchure. De là, oui, je suis descendue de 6 cm et je vais pointer ma pince à 3 cm. Donc je vais prendre la longueur de la pince poitrine au niveau de la manchure des côtés de 12 cm.
Donc, je vais relier ces deux points-là. Donc, tout à l'heure, j'ai constaté que la longueur, en fait, la largeur de ma pince était énorme. Donc, j'ai réduit la pince à 3 cm parce que j'avais pris à 4 cm. Là, je vais positionner la pince du bas de la robe. Je suis descendue de 15 cm, non de 17 cm, oui. Et j'ai formé ma pince. Là, je vais cintrer un petit peu le côté entre la poitrine et le dessous-sein. Donc maintenant, je vais venir travailler le côté de la manchure. Parce que si je laisse l'épaule de cette robe comme ça, elle sera trop lâche. Et comme c'est un truc sans manche, je vais décaler de 2 cm pour pouvoir diminuer et permettre que la manchure puisse tenir. En fait, pour que la manchure ne puisse pas être ouverte, qu'elle puisse vraiment être sur mesure, j'ai décalé de 2 cm et vers l'épaule, j'ai décalé de 4 cm pour réduire la longueur de ma poitrine, de mon épaule, pardon. Donc là, je vais reformer ma pince, mon emmanchure, en contrôlant si tout est bien à sa place. La première ligne de départ n'existera plus. Donc ce sera la ligne en rouge qui sera la bonne emmanchure. Donc, si jusqu'ici tu es satisfait, je te prie de cliquer sur la cloche. Voilà, je te prie de commenter aussi, de partager la vidéo autour de toi pour bénir une autre personne. Donc là, j'ai complètement taillé mon papier. Voilà, taillé ma robe et enlevé tout ce qu'il fallait enlever. Là, j'ai positionné mon devant sur mon dos à moins 3 cm pour la valeur de la fermeture. Et là, j'ai formé mon encolure 2. Je suis descendue de 2 cm pour l'encolure dos. Et j'ai formé mon encolure pour tomber voilà, sur la ligne d'épaule. Là, je vais reproduire maintenant tout le patron. Mais avant de réduire le patron, voilà, je vais poser. Ça, c'est la ligne qui sera la ligne de ma découpe. Parce que je voudrais que ma découpe soit un peu plus bas après la poitrine, après la longueur de sous-sein. Donc, je suis descendue de 4 cm après la longueur de sous-sein. Donc, ça, c'est la ligne parce que la robe a une découpe. Ça, c'est la ligne de la découpe. Donc, on n'aura plus besoin de la ligne de la taille, la longueur taille qu'on a fait au départ. Mais il fallait passer par ce chemin pour que le tracé soit plus précis et que ceux qui sont débutants puissent vraiment comprendre ce qu'on est en train de faire. Donc là, je vais reproduire et pointer les différentes parties les plus importantes. La ligne de la découpe, la ligne de la poitrine. Maintenant, partant sur la ligne de taille,
Je vais cintrer vers l'intérieur de 1 cm et demi. Donc je vais cintrer cette partie jusqu'à la fin de l'encolure. Donc je vais tomber à fleur sur l'encolure. Et je fais aussi pareil sur le bas. Je vais tomber à fleur quelque part vers voilà, un peu plus bas jusqu'à ce niveau, c'est bon. Donc une fois que j'ai fini de faire ça, je vais maintenant revenir positionner. Maintenant sur la, je positionne mon mètre sur la partie qui a été cintrée. Je repositionne la valeur de ma fermeture. Là comme ça, le cintre se, là comme ça la partie cintrée sera chassée. Parce que si je cintre et que je maintiens la même valeur de fermeture, ça n'aurait servi à rien d'avoir cintré. Donc, il faut toujours enlever cette partie. Voilà, il faut retracer la valeur de la fermeture en suivant la forme du cintré qu'on a eu à faire. Donc cette partie-ci, elle n'existera plus. On va la tailler, on pourra monter. Maintenant, c'est la valeur qui a été ceinte qui représente le milieu d'eau. Maintenant, à ce niveau, je vais juste pointer la valeur de ma fermeture. Pardon, je vais pointer ma pince. Et tracer et former ma pince tout simplement. Pour la pince du dos au niveau du bas de la robe, c'est la même longueur de la pince que j'ai eu à faire avec le devant, donc 17 ou 15, voilà, ça dépend de toi aussi. À ce niveau, il n'y a pas de protocole. Et la valeur de ma pince, là, je vais décaler de 3 cm, 1,5 de chaque côté. Une fois que ma pince est formée, voilà, on a fini avec le devant. Maintenant, je vais venir au niveau de la pince poitrine pour qu'il n'y ait pas de décalage entre les deux longueurs de la robe. Donc, je vais fermer la pince poitrine et le décalage que je vais obtenir, ce sera sur le dos. Donc, il y aura un décalage entre le devant et le dos au niveau de la longueur. Je vais enlever cette longueur, ce décalage-là. Et il faudrait rappeler ici que quand tu prends la longueur de ta robe, en fait, il faut prendre vraiment un peu plus. Pourquoi? Parce que là, normalement, le devant doit avoir une longueur plus. Voilà. En tenant, en fait, quand je veux dire une longueur plus, c'est que quand tu prends la longueur de ta robe, voilà, surtout quand tu veux tracer le devant. Donc, tu dois rajouter la valeur de la pince au niveau des côtés. Là, je ne l'ai pas rajouté. C'est pour ça que je le diminue ici. Donc, ça, c'est une deuxième possibilité. Voilà, pour toi de pouvoir prendre la longueur un peu plus et diminuer cette longueur-là sur le dos. Ou alors, il n'y a vraiment pas, à ce niveau, il n'y a vraiment pas de souci. Hein. Si tu as pris ta longueur normale, il n'y a pas de souci. Pourquoi? Parce que la pince que tu as pris, c'est une pince, une mesure qui entre dans le vêtement. Donc, ça n'impacte vraiment pas. Donc, si tu as un décalage comme ça, tu l'enlèves tout simplement et puis c'est bon. Ça ne diminue pas la longueur de ta robe. Non. Donc là, on a fini avec le devant et le dos.
J'espère que tu as bien compris jusqu'ici. Donc là, je vais tracer le jeu qu'il y a au niveau du devant sur l'encolure. Donc ce que j'ai fait déjà, c'est que j'ai juste pris, tracé cette partie-là, mon demi-cercle, voilà, sur le pli du tissu. Donc là, tu peux prendre une valeur. En fait, tu peux faire cette partie fois 2. Donc là, c'est vrai que j'ai pas vraiment calculé. C'est en fonction aussi des plis que tu aimerais avoir. Si tu aimerais avoir plus de plis, voilà, cette partie-là doit être vraiment beaucoup. Ou alors tu peux la tailler 2 fois. Ou tu peux tailler une comme ça et tu tailles l'autre à moitié que tu vas relier. Donc le tout, c'est d'avoir des plis. Et tu sais, quand on forme les plis prennent beaucoup plus de tissu. Donc, il faut tenir compte de ça. Tu formes ton demi-cercle et tu prends la largeur que tu veux. Soit tu peux avoir la même largeur que moi. Moi, j'ai pris une largeur de 28 cm et puis j'ai rajouté la valeur de couture par la suite. Donc, ça, c'est le bas. Et plus haut, c'est l'encolure, le niveau, c'est l'encolure. C'est la partie qui va sur l'encolure du vêtement. Donc, il ne reste plus qu'à tailler. Voilà, quand on l'ouvre, c'est comme ça qu'il est. Donc là, je vais faire les plis, j'ai fait les plis, je vais venir le positionner à 4 cm sur le milieu du devant. Donc à partir du milieu du devant, je vais positionner 4 cm et positionner et former mes plis que je vais venir positionner. Voilà un peu un aperçu de comment est-ce que ce sera sur le vêtement. On a fini avec cette partie-ci. Et on va maintenant faire le pli creux. Et pour le pli creux, tu prends juste la longueur de... Pour le pli creux, tu prends la longueur de ton pli que tu aimerais avoir. Moi, j'avais pris une valeur de 15 cm. Donc, la longueur de mon pli creux, c'est 15 cm. Et je vais venir tracer tout simplement sur un autre tissu. Donc, tu pourras regarder la vidéo. Comment est-ce que j'ai tracé? Tu pourras regarder en image comment est-ce que j'ai tracé, voilà. Donc j'ai fait une valeur de 14 cm et demi sur chaque côté. La positionner la valeur de la couture sur les côtés et sur le bas aussi et sur voilà, sur le bas aussi. Donc voilà, on a fini avec le tutoriel. Donc j'ai essayé de le placer sur mon mannequin. Voilà un aperçu de comment ça se représente sur le mannequin. Donc j'espère que tu as été béni, j'espère que tu vas apprendre quelque chose de plus. J'espère que cette vidéo, c'est un contenu qui va t'aider. Voilà, tu as vu à l'introduction que c'est une robe que tu peux l'adapter pour une soirée, une cérémonie, une sortie de jour, comme tu veux. Et voilà, le tutoriel est fini. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Reste béni, partage, commente et laisse-moi un pouce si tu as aimé, liker. Bisous!